Et il y a un joueur qui est gratuit, c'est marqué restant un joueur gratuit, Highlight, tirage limite 5 sur 5, Liga MX XD OFG Did, fin dans 19 jours, 12 heures. Bon, on va découvrir tout de suite, donc vu que c'est un joueur gratuit, normalement c'est un joueur, je ne sais pas si c'est un joueur avec contrat ou sans contrat. Ça d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Allez, on va l'ouvrir. Gratuit. Qui est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Allez, allez, allez. Alors, c'est qui? C'est qui? C'est qui? 4 étoiles. Oh, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé avoir 5 étoiles. Ok. Bon. À mon avis, je vais pas le garder, hein. Enfin, je vais pas jouer avec lui pendant toute une saison. Mais bon, après, j'espère qu'un jour il y aura une possibilité de monter aussi les étoiles, parce que c'est des joueurs, il y a des joueurs qu'on peut monter avec les étoiles à l'époque et maintenant c'est fini tout ça. Mais j'aurais bien aimé, oui, on monte sa capacité et les étoiles au fur et à mesure. Ce serait bien. En tout cas, je l'espère. Allez, je vais attaquer au plus important. Pack recruté de puissance à tout. Donc, Day Dead Halloween campagne. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein. C'est vrai qu'il y a le pack. Il y a le pack des joueurs. Ok, c'est le plus important. C'est ce qui nous fait gagner des matchs. Mais là, quand je vois des maillots comme ça, franchement, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que le maillot existe? Il devrait mettre un peu plus. Un peu plus de choix sur les maillots ou sur des trucs qu'ils mettent en place. Là, vraiment, oui, on va dire, je jette les pièces par les fenêtres, mais pff, je suis fan, j'adore ces maillots. J'adore, j'aimerais bien les porter sur le terrain, quoi. Donc je vais l'acheter, et voilà, pour acheter, mais ça coûte un peu cher pour un maillot. Moi, j'aurais préféré que ça coûte 100 pièces. Parce qu'un joueur, il coûte 100 pièces, hein. On est bien d'accord. Mais là, c'est un peu cher. Mais bon, après, voilà. Quand on aime, on compte pas, on va dire. Mais bon, là, c'est un peu trop cher, hein. À mon avis, c'est un peu trop cher. Donc, allez, je vais aller voir d'abord que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Voir tout recevoir. C'est-à-dire, j'espère que je ne vais pas payer en plus. Je vais voir le détail. Hop, bon, ça c'est détail. Tout recevoir. Ok. J'espère que je n'ai pas payé en plus. Je l'espère. Parce que des fois sur eFootball, faut faire attention aux dépenses. Halloween 23 terminé. Nous espérons que vous continuez d'apprécier eFootball 2024. Ok. Bon, j'ai dit tout au début 2023-2024. Mais bon, on sait tous que voilà. Ouais, ok, bon, j'ai dépensé, bon, il doit pas me rester beaucoup, voilà, hop, allez, je vais passer à l'autre maillot, Day of the Dead, de 23, ok, fois 1, le maillot en poche, bon, ils écrivent la même chose, hein. Donc, voilà, mes amis, je fais le tour. Il me reste 710. Mais bon, avec le match cumulé et puis comment dire, avec les campagnes et tout ça, je peux remonter les pièces, quoi. Remarque, une petite remarque, c'est vrai qu'avec les maillots et tout ça, c'est bien, c'est joli. Mais j'aimerais bien aussi avoir les joueurs vraiment spéciaux. C'est-à-dire que c'est un joueur rare qui est vraiment fort. Qu'on achète parce que là nous dit d'acheter des joueurs dans les packs mais t'es pas sûr d'avoir des bons joueurs ouais ce serait bien d'avoir un pack enfin oui pas un joueur ou un pack de joueurs ce serait bien d'avoir des joueurs on va dire qui sont au-dessus de ce qu'on a actuel bon ça je pense qu'ils vont travailler avec le temps. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr le like, le commentaire, le partage. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche.
entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!